Eh, il est où, Pitou? Ah, oui. Comment dire à son petit frère que son chat est mort? Eh, frérot, Pitou, il est mort. Ah bah non, il est pas au ciel, il est dans la poubelle. Ton chien, il s'est pris une voiture. Pitou, t'as pas vu ton chien mort? Un smirmorque, à pleine baballe. La bonne nouvelle, c'est qu'en mettant la main dans son cul, ça te fera une jolie marionnette. C'est vrai qu'il en avait en plus. Du chien. Toi, t'as reçu un télégramme. Canin cané. Stop. Tu sens cette odeur, là? Ce mélange de tripes et de bitume? Eh ben, c'est ton chien qui te dit au revoir. Sur la route devant la maison, Pitou est mort ce matin. Bye. Et il y a moyen de récupérer la laisse et le collier? Non, parce que j'ai une copine qui organise des soirées. Ah mais non, il est pas mort, il mort, ton chien est mort. C'est... Attends. Ah non, il est mort, effectivement, t'as raison, il est mort, bah oui. Il est mort, ce con. Alors en fait, le chien a bouffé le lapin. Donc j'ai tué le chien. Mais j'ai cuisiné la pignou. Ah par contre, si tu cherches ton fusil à plomb, il est dans le cul de ton chien. Non, parce que ça va quand même bien 5 minutes les aboiements. Hein. Pitou est mort! Bah! Je peux plus. Ah, c'est bien! La sueur de. Tu peux aller lui tamponner un peu la sueur de mon corps. C'est bon ou.